Ce projet est né d'un désir de témoigner d'une situation qui est celle des réfugiés, d'un mouvement de migration qui est la transformation du monde actuel. Et pour ce faire, je me suis associé avec l'ONG Médecins du Monde afin de produire un ensemble d'œuvres sous le nom Odyssée, nourries d'expériences vécues dans les camps, d'expériences de partage de vie et d'une production d'œuvres mêlant d'une part la peinture, évidemment, parce que c'est un travail de peintre, mais aussi de son, de prise de son sur place. Ce travail sonore, il s'est fait d'une manière très naturelle, simplement parce que j'avais d'abord un désir de prendre le plus de réalité possible. Comme si ce qui était en train de se passer était autant urgent visuellement que le son et la présence des voix m'excitaient, me donnaient envie d'en capter le maximum. Donc ça s'est fait comme ça. Et à partir de ce travail sonore, cette matière sonore, j'ai travaillé avec un musicien qui a, avec moi, retravaillé, reproduit une bande-son qui est musicalisée, qui est entre le témoignage et la musique. Chacune de ces bandes-son sont attribuées à un tableau et complètent par un univers sonore la vision que je propose de ce phénomène de migration. Le travail d'un artiste, c'est pas de transformer le monde, mais en tout cas, ne pas le faire, c'est une forme de lâcheté. Ne pas en parler, c'est quelque part abandonner ce que nous, artistes, je dis nous parce que je me sens aussi impliqué dans un mouvement qui est collectif de réaction. Nous, artistes, ce qu'on peut apporter aussi bien dans la notion d'éveil de celui qui regarde, dans le travail de rencontre avec quelqu'un qui aime l'art, mais aussi peut-être les politiques, peut-être aussi les gens qui peuvent agir dans le monde, je veux dire, à un niveau social, à un niveau sociétal. Donc voilà, c'est de toute façon un geste de témoignage engagé, c'est vrai.